Oh,
son nom, Jésus, Jésus. Si tu n'as pas honte, Jésus, crie son nom, Jésus, Jésus. Si tu n'as pas honte, Jésus, crie son nom, Jésus, Jésus. Si tu n'as pas honte, Jésus, crie son nom, Jésus, Jésus. Si tu n'as pas honte, Jésus, crie son nom. Si tu n'as pas honte, Jésus-Christ, son nom, Jésus, Jésus. Et si tu n'as pas honte, Jésus-Christ, son nom, Jésus, Jésus. Si tu n'as pas honte, Jésus-Christ, son nom, Jésus. Et si tu n'as pas honte, Jésus-Christ, son nom, Jésus, Jésus. Si tu n'as pas honte, Jésus-Christ, son nom, Jésus. Si tu n'as pas honte, Jésus crie son nom, Jésus, Jésus. Si tu n'as pas honte, Jésus crie son nom, Jésus, Jésus. Si tu n'as pas honte, Jésus crie son nom, Jésus, Jésus. Si tu n'as pas honte, on crie le nom de Jésus ce soir. Déclarer que Dieu est un Père de lumière, qu'il vient régner quand tout est sombre, quand tout est sans espoir. Il vient et il triomphe. On va déclarer ça ensemble ce soir. Écrire ce que je veux.
Tu es
que j'ai. Tu es tout ce que j'ai. Soit effacé.
Nous sommes devant ton trône ce soir. Nous venons pour t'adorer. Nous venons pour t'apporter notre reconnaissance, notre gratitude. Oui, Seigneur, nous ne pouvons comprendre un tel amour. Nous ne pouvons saisir, Seigneur, une telle manifestation de grâce et de miséricorde. Bonsoir Seigneur, nous sommes dans ta présence et nous te disons merci. Merci pour le privilège que nous avons de pouvoir venir à toi. Et tu nous invites à nous approcher de toi. Tu nous invites à tourner nos cœurs vers toi, Seigneur. Et nous te remercions parce que c'est uniquement par ta grâce que nous pouvons le faire. C'est uniquement parce que le voile du temple a été déchiré et que le lieu très saint nous est à présent accessible. Le lieu très saint de ta présence. Parce que nous sommes recouverts d'un vêtement de nouveau, un vêtement nouveau, un vêtement de justice. Nous avons revêtu Christ. Et ce soir, nous te disons merci. Merci Jésus d'être là pour nous. Merci Jésus d'avoir présenté ton sang au Père afin que par ton sang, nous puissions nous tenir devant le trône et dire Abba. Nous t'aimons. Et tout le peuple répond Amen. Amen. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus ce soir. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la lampe qui ne voulait pas briller? Je vais vous raconter cette histoire. Imaginez, vous entrez dans une pièce qui est sombre, et vous appuyez sur l'interrupteur et il n'y a rien qui se passe. Et là, vous regardez à l'ampoule et puis l'ampoule se met à parler. Donc vous avez compris que ce n'est pas une histoire vraie.
mais vous allez voir où je veux en venir. » L'ampoule se met à parler et l'ampoule va dire « Mais je ne veux pas briller aujourd'hui. » Et là, vous regardez l'ampoule et vous dites « Mais pourquoi tu ne veux pas briller ?» Et l'ampoule qui répond « Il y a dans le salon à côté un super lustre qui est très beau, qui est magnifique, qui resplendit d'une lumière éclatante. Et moi, je me sens tellement petit, tellement minable à côté de cette lampe qui brille dans le salon. » Et là, vous expliquez à l'ampoule que ce n'est pas si grave, que ce n'est pas parce qu'elle n'est pas un lustre ou qu'elle n'est pas une lampe, un design extraordinaire, qu'elle ne devrait pas éclairer, parce qu'elle est utile pour éclairer dans cette pièce. Et là, l'ampoule qui vous répond « D'accord, bon, je vais éclairer, mais comme je suis un peu timide, est-ce que tu peux fermer la porte ? Parce que j'ai peur que les autres lampes qui sont à côté me voient et je n'ai pas la splendeur de ces lampes-là. » Et vous vous dites « Mais c'est pas possible, depuis quand une ampoule est timide ?» Et là, vous encouragez l'ampoule à briller, et finalement, elle accepte de briller, et elle éclaire la pièce, et vous pouvez voir la splendeur de ce qu'il y a dans cette pièce, même si elle est éclairée par une ampoule qui ne ressemble pas à un grand lustre qui est dans un salon, qui est au château de Versailles, ou à une lampe design, parce que parfois on peut avoir des lampes qui sont très design, qui sont très belles, mais qui n'éclairent pas beaucoup non plus. Et c'est juste pour faire joli. Alors vous avez compris ce que je veux communiquer ce soir comme message. On est parfois cette ampoule qui parle, c'est nous. Et on a cette crainte du jugement des autres, de ce que les autres peuvent penser, de ce que les autres peuvent dire, et on ne veut pas briller. Mais Jésus nous dit que nous sommes la lumière du monde. On n'est pas là pour être les plus brillants, on n'est pas là pour être les plus forts, on n'est pas là pour être les plus visibles, mais Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Et notre lumière, qu'elle soit petite ou qu'elle soit importante, le rayonnement de notre lumière, qu'elle soit petite ou importante ou peu importante, elle a un rôle crucial. Nous avons tous, quelle que soit ton expérience avec Dieu, tu es appelé par Jésus la lumière du monde. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans la parole de Dieu ce soir, dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, le chapitre 5, et nous allons lire à partir du verset 13. Matthieu 5, 13, il est dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Ici, Jésus utilise deux images, deux métaphores pour imager le chrétien, le croyant, le disciple de Jésus. Il parle du sel et il parle de la lumière. Deux éléments simples, mais deux éléments qui sont précieux et qui nous sont utiles dans la vie de tous les jours. Combien vous avez été pénalisé ces jours derniers parce qu'il n'y avait pas de courant chez vous ? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont été affectés ? Il y en a quelques-uns. Et ce n'est pas pareil quand il n'y a pas du courant. Ce n'est pas pareil quand on appuie sur l'interrupteur et que la lampe ne veut pas s'allumer. Et il y a deux éléments donc, qui sont cités ici par Jésus et qui n'agissent pas de la même façon. Il y a le sel qui agit à l'intérieur. Jésus parle du sel qui donne de la saveur. Donc ça nous parle du bon carré de poulet qui est juste salé comme il faut et qui donne de la saveur au carré de poulet ou
ou rogaille saucisse ou ce que vous voulez. Et puis, il y a la lumière qui, elle, agit à l'extérieur. Le sel parle d'une influence indirecte, une influence interne qui ne se voit pas mais qui se sent. Et la lumière parle d'une influence directe de l'extérieur. La lumière permet de voir, elle se voit et elle permet de voir. Ça nous parle d'une communication ouverte, d'une communication directe. Le sel agit de l'intérieur et il était utilisé à l'époque d'ailleurs pour conserver les aliments, pour retarder la corruption. Et la lumière, elle agit de l'extérieur et elle peut mettre en lumière ce qui est corrompu et elle permet de changer ce qui est corrompu par ce qui est incorrompu. Mais ces deux éléments dont parle Jésus, le sel et la lumière, ont la capacité de changer le monde, ont la capacité d'apporter de la saveur. Et au travers de ces métaphores qui sont simples à comprendre, autant pour les gens à qui Jésus s'adressait à l'époque que pour nous ce soir, nous savons ce que c'est que le sel, nous savons ce que c'est que la lumière, Jésus est en train de nous dire ici que nous sommes dans ce monde pour influencer ceux qui sont autour de nous pour la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas dans ce monde en espérant que Jésus vienne bientôt et le plus rapidement possible. Nous sommes dans ce monde pour apporter de l'espérance au monde. Et si le monde regarde à nous et ne voit pas cette lumière, si le monde regarde à nous et ne voit pas la transformation, ne voit pas le changement qui prend place dans notre vie, qui fait qu'on devient quelqu'un de meilleur, c'est que peut-être on n'est pas en train de refléter la lumière qui vient d'en haut. Et donc nous devrions apporter de la saveur dans ce monde, la saveur du royaume de Dieu. Nous devrions être cette lumière qui dissipe les ténèbres de la confusion. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Quelle est la définition de la lumière? Je vais vous donner quelques définitions de la lumière. Dans le dictionnaire, il est dit que la lumière, c'est une clarté qui est émise et qui éclaire les objets et qui les rend visibles. La lumière, c'est aussi un rayonnement électromagnétique dont la longueur d'onde correspond à la zone de sensibilité de l'œil humain. On va en reparler un peu plus loin. On parle de source lumineuse pour tout appareil, lampe, dispositif qui est propre à l'éclairage. Et on parle aussi de lumière, de la connaissance, pour parler de la connaissance, donc d'une manière imagée, pour parler d'un éclaircissement, de quelque chose qui est apporté en termes de connaissance et qui permet de comprendre. La lumière est une puissance tant dans son sens naturel que dans son sens métaphorique. Et la lumière, elle n'est pas d'ordre matériel, tu ne peux pas toucher la lumière. Tu peux toucher l'ampoule qui produit de la lumière, mais tu ne peux pas toucher la lumière. Comme on a vu dans la définition, c'est un rayonnement électromagnétique. Mais par contre, ce rayonnement qui émet une longueur d'onde a un effet sur le monde physique, sur le monde matériel. Et quand Jésus parle de l'Église qui est la lumière du monde, eh bien ça nous parle d'une Église qui a un impact, qui a une influence sur le monde, dans le monde. La lumière triomphe de l'obscurité. Partout où la lumière éclaire, l'obscurité s'enfuit. On a parlé de la lampe qui voulait pas, de l'ampoule qui ne voulait pas allumer, mais une simple allumette dans le noir peut nous permettre d'éclairer. Alors bien sûr, pas comme une ampoule, comme les lumières qui sont ici ce soir, mais là où la lumière apparaît, les ténèbres s'enfuient. Et la parole de Dieu, le prophète ou le psalmiste David va écrire à propos de cette lumière que Dieu apporte dans les vies au travers de la connaissance. Dans le psaume 119, le verset 130, il nous est dit « La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Il est question ici de la parole de Dieu. Dans le verset 105, il va dire « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière à mon sentier. » Ce qui implique que lorsqu'un enfant de Dieu est rempli de la parole de Dieu, cette parole
amène une mesure de révélation dans sa vie, une mesure de compréhension des choses spirituelles qui sont bénéfiques pour sa propre vie. Mais en rapport avec ce que Jésus nous dit ici, lorsqu'il dit « Vous êtes la lumière du monde », eh bien ça nous parle aussi du fait que cette lumière n'est pas seulement pour nous, mais elle est aussi utile pour les autres au travers de nous. La compréhension, la mesure de révélation, la mesure de compréhension que j'ai de la part de Dieu, de la parole de Dieu, me permet d'être un instrument pour éclairer quelqu'un qui a besoin de connaître le chemin qui mène à Dieu. Et lorsque Jésus dit que vous êtes la lumière du monde, ça signifie qu'un homme, une femme qui est remplie de la parole de Dieu a cette capacité d'apporter des rayons de lumière dans la vie de ceux qui sont, dont la vie est ténébreuse. Nous sommes en capacité d'apporter des solutions dans la vie de ceux qui sont perdus dans ce monde. À l'image de Jésus, qui nous dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien, il apportait cette lumière autour de lui. Les gens étaient transformés par la lumière qui émanait de sa vie. Et Dieu veut se servir de nous, il veut se servir de son Église, de son peuple, de ses enfants, pour que des vies soient transformées. La lumière fait fuir l'obscurité. La lumière met en valeur ce qui existe. Est-ce que vous savez que les couleurs n'existent pas vraiment ? C'est la lumière qui nous permet de voir la beauté des couleurs et de la diversité qu'il y a autour de nous. On a vu que la lumière est définie comme un rayonnement électromagnétique qui a une longueur d'onde auquel notre rétine, notre œil humain va réagir. Et lorsque la lumière frappe sur un objet, soit cet objet va absorber la lumière, ou soit elle va réfléchir la lumière. Et si un objet absorbe toute la lumière, cet objet va nous paraître noir. Et si au contraire, l'objet va réfléchir toute la lumière, cet objet va nous paraître blanc. Donc le noir et le blanc, et les autres couleurs, puisque lorsque la lumière est projetée sur un objet, et que toutes les ondes sont repoussées, sauf par exemple la couleur, la fréquence qui correspond à la couleur bleue n'est pas repoussée, eh bien l'objet va nous paraître bleu. Et si la lumière frappe un objet, toutes les ondes, sauf celle qui représente la lumière rouge, n'est pas repoussée, eh bien l'objet va nous paraître rouge. Donc la couleur des objets est définie par la lumière qui vient frapper sur ces objets. Et qu'est-ce que ça représente pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est que du fait que nous soyons la lumière de Dieu, non seulement on est appelé à faire fuir l'obscurité, mais aussi on est appelé à rendre ce monde plus coloré, ce monde plus beau à voir. Là où il y a des enfants de Dieu, de qui émane la lumière de Dieu, eh bien, ils doivent apporter des rayons de lumière qui font voir la beauté qui vient d'en haut. La question, c'est est-ce que nous rayonnons de cette manière pour Dieu? Nous devrions voir par notre manière de vivre, par les fruits qui découlent de notre vie et de la relation que nous avons avec Dieu, être de ceux qui apportent de la lumière, de la couleur dans un monde qui est terne. L'apôtre Paul va dire dans Philippiens, au chapitre 1er, au verset 27, Paul va dire « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. » Paul dit ici « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. » Lorsque nous vivons selon la parole de Dieu, lorsque nous vivons selon l'évangile, lorsque nous vivons selon la bonne nouvelle annoncée par Jésus, ça doit faire une différence dans le monde.
Juste avant de dire que vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, Jésus va dire d'autres choses avant. Il va dire, par exemple, au verset 3, « Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux les miséricordieux. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. » Et au verset 11, juste avant de parler du sel, de la terre, de la lumière du monde, il va dire « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Et c'est juste après ça, dans ce contexte, que Jésus va dire « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Ça, c'est l'évangile. Paul va dire « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. » L'évangile est un message qui a contre-courant de ce qui se vit dans le monde. Celui qui se comporte d'une manière digne de l'évangile, c'est celui qui n'est pas démoralisé parce qu'il y a de la persécution ou parce qu'il y a de l'outrage, mais qui se réjouit, qui sait se réjouir, même dans ces situations, parce qu'il sait qu'il peut briller pour Dieu dans ces situations. Il sait qu'il peut être un instrument qui fait voir les couleurs de Dieu, qui manifeste par exemple la miséricorde. Heureux les miséricordieux. Et lorsque je manifeste la miséricorde, je fais briller les couleurs de Dieu, je donne de la couleur au monde qui, lui, dans ce monde, les gens ne vont pas forcément chercher à être miséricordieux. Heureux ceux qui procurent la paix. Il procure, celui qui brille pour Jésus, il procure la paix dans un monde hostile. Il garde son cœur pur, il ne s'offense pas, il sait libérer le pardon. Et Jésus va même dire plus loin, quelques chapitres plus loin dans Matthieu, chapitre 7, le verset 12, il va dire « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Ça, c'est le message de l'Évangile. Et ça, c'est un message qui nous permet de briller comme des flambeaux dans ce monde. Être la lumière du monde, c'est se comporter d'une manière digne de l'Évangile, c'est faire ce que les autres, ce que l'on voudrait que les autres fassent pour nous. Quand on a une telle attitude, quand on est outragé, quand on est persécuté, qu'on arrive à relâcher la bénédiction, quand on est dans des circonstances difficiles et qu'on reste dans la paix, on reste dans la joie, c'est un témoignage, c'est une façon de briller pour que Jésus en reçoive la gloire. Quand nous libérons le pardon, nous amenons les couleurs du ciel. Quand nous marchons dans la paix autant que cela dépend de nous, nous manifestons les couleurs du royaume de Dieu. Quand nous marchons dans la droiture, nous cherchons à faire ce qui est juste, nous manifestons les couleurs du ciel. Dieu veut que son peuple donne de la couleur à ce monde. La lumière, c'est aussi ce qui produit la vie. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, le livre de la Genèse, quelle est la première chose que Dieu a créée? Il a commencé par la lumière. Pour quelle raison? Parce que la vie dépend de la lumière. Parce que les animaux qui allaient être créés par la suite dépendaient de la lumière, parce que les arbres, la nature dépendaient de la lumière, parce que l'homme avait besoin de lumière pour vivre. Et Dieu a créé la lumière en premier, parce que la lumière amène la vie. La lumière est ce qui va permettre à une plante de recevoir l'énergie dont elle va besoin. Elle va avoir besoin, là, il y a ce qu'on appelle la photosynthèse, où la lumière est transformée en énergie et cette plante va vivre par la chaleur vivifiante du soleil. De la même manière, spirituellement, l'enseignement de la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu, la lumière de Dieu qui se manifeste au travers de nous par des actes d'amour, par des actes de bonté, va ramener à la vie les cœurs de ceux qui vont recevoir cette lumière. Tout comme une plante a besoin de lumière pour vivre, pour grandir, pour se développer, une âme a besoin de la lumière spirituelle, a besoin de la lumière de Dieu pour se développer, pour grandir. Et nous avons besoin de cette lumière, mais nous pouvons aussi être des instruments entre les mains de Dieu pour permettre à des gens qui sont autour de nous, qui n'ont pas la vie
en Christ, de découvrir cette vie. La lumière donc de l'évangile apporte la vie à nos âmes qui étaient mortes. La parole de Dieu nous dit que nous étions morts par nos offenses, nous étions séparés de Dieu. Mais la lumière de la parole de Dieu nous a délivrés des ténèbres et de la mort. Et parce que nous sommes des porteurs de lumière, nous pouvons être des instruments qui amenons la vie autour de nous. Et lorsque nous brillons dans un monde qui est sombre, dans un monde qui est mort, c'est la même chose qui se produit. Dieu utilise la lumière de notre témoignage, la lumière de ce qu'il a nous a permis d'expérimenter dans notre vie avec lui pour réchauffer le cœur de ceux qui sont dans ce monde, qui n'ont pas d'espérance, qui ne savent pas vers qui se tourner. La lumière amène la vie. La lumière amène la joie. Nous sommes heureux lorsque le temps maussade laisse la place à un rayon de soleil. Combien d'entre vous, vous étiez contents mardi quand vous avez vu le soleil et que le temps s'est dégagé? Ça amène la joie. D'ailleurs, la lumière est souvent utilisée donc, pour représenter des moments festifs. Regardez les rues à Noël, vos propres maisons à Noël, on va utiliser de la lumière pour amener de la joie. Et Dieu veut voir des enfants, des hommes, des femmes remplis de joie, remplis d'espérance dans ce monde pour porter cette lumière, pour amener cette joie autour d'eux. Dieu nous dit que la joie de l'Éternel est notre force. Et nous vivons dans un monde où nous avons des ressources, nous avons ce qu'il faut, nous avons la lumière de la parole de Dieu pour savoir dans des moments difficiles quoi faire, comment nous comporter, pour rester joyeux même lorsque ça ne va pas. Et lorsque nous partageons cette lumière, lorsque nous libérons cette lumière autour de nous, nous pouvons communiquer cette joie autour de nous, cette vie joyeuse autour de nous. La vie chrétienne n'est pas une vie malheureuse. Ce n'est pas une vie dans laquelle on subit. Ce n'est pas une vie dans laquelle on est écrasé tout le temps. On peut vivre des moments difficiles. L'apôtre Paul va parler de toutes les circonstances difficiles qu'il a traversées. Mais l'apôtre Paul est aussi celui qui a écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Et dans quel contexte, dans quelles circonstances il écrit cela ? Alors qu'il est en prison, il s'adresse à l'église de Philippe pour leur dire « Réjouissez-vous ». S'il y a bien une épître, moi, que j'aime et que j'affectionne particulièrement, c'est l'épître aux Philippiens, où il y a beaucoup de conseils pratiques qui nous sont donnés. Et entre autres, eh bien, le fait de rester toujours joyeux. Donc, Dieu se sert de nous pour que sa lumière soit manifestée dans le monde. Une lumière qui chasse les ténèbres, une lumière qui apporte de la couleur dans ce monde, une lumière qui va donner la vie là où elle passe, une lumière qui amène la joie. Mais il n'y a pas que le fait de briller qui est important, parce qu'on peut briller, c'est ce que Jésus dit ici, on peut briller, mais si on n'est pas positionné, si on n'est pas placé au bon endroit, il y a un problème. L'emplacement, le positionnement est important. Jésus va dire au verset 14, « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Il parle ici du positionnement de la ville. Il va dire « Une ville située sur une montagne. » Une ville n'a pas une lumière unique. Une ville est composée d'un ensemble de lumières de tous ses habitants. Lorsque Jésus parle de la ville qui est sur la montagne, à l'époque, les villes étaient faites de pierres calcaires, blanches. Et on a dit tout à l'heure qu'un objet qui va refléter la lumière va paraître blanc. Un objet qui absorbe la lumière va paraître noir. Et quand Jésus dit une ville située sur une montagne, les gens qui habitaient à l'époque et qui fabriquaient leurs maisons avec des pierres qui donnaient une couleur blanche à leur maison, ça leur parlait, ça réfléchit la lumière. La ville était visible
par la nature de sa construction, mais la ville était visible aussi. Jésus parle d'une ville qui est visible de par son positionnement. Une ville sur une montagne. Et elle était rendue visible la nuit par l'ensemble des lumières qui étaient allumées dans les maisons. L'image d'une ville sur une montagne nous parle du fait de briller de manière collective, non pas de manière individuelle, mais en tant que famille spirituelle qui brille dans la ville. Ça parle de l'influence de l'Église dans le monde qui l'entoure. Ça parle du fait qu'en tant qu'Église, lorsque nous laissons cette lumière se manifester par les standards du royaume de Dieu que nous manifestons, par les valeurs que nous portons, par les choses que nous choisissons de défendre, nous brillons dans la ville, comme une ville située sur une montagne. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Ce que nous prêchons, notre positionnement pour Jésus, les valeurs que nous défendons, le témoignage qui est le nôtre en tant que famille spirituelle va être vu, doit être vu et va produire quelque chose. Et alors bien sûr, ça ne veut pas dire que ce témoignage sera accepté par tout le monde, parce que comme on a vu avant, Jésus parle du fait d'être outragé, d'être persécuté à cause de l'Évangile. Mais cela ne devrait pas nous empêcher d'avoir le courage d'être cette ville qui est sur une montagne et qui brille pour Jésus. Soit nous déclarons notre position en Jésus et nous témoignons de sa grâce, de sa puissance, de son amour dans nos vies, ou soit nous prenons position avec le monde. Mais ça ne peut pas être les deux. L'apôtre Paul va dire « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. N'entrez pas dans le moule de ce monde. Dieu n'a pas établi l'Église pour que nous soyons centrés sur nous-mêmes et que nous attendons en venant en célébration eh bien, le moment où Jésus va revenir un jour. Il ne nous a pas établi non plus pour que nous soyons là en train de nous fondre dans la masse et de passer inaperçus. L'Église ne peut rester cachée. Dieu nous a confié un mandat, il nous a confié une mission. Nous avons une bonne nouvelle à communiquer. Et nous ne pouvons pas rester cachés avec cette bonne nouvelle. Qu'elle soit appréciée ou pas, la parole de Dieu est la parole de Dieu. L'Évangile est l'Évangile. Au verset 15, il est dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Là encore, il est question de positionnement. La lampe fait référence à ces lampes à huile qui étaient faites d'argile, qu'on remplissait d'huile d'olive et dans laquelle on plaçait un morceau de lin qui servait de mèche pour éclairer ceux qui étaient dans la maison. Et personne n'allumait une lampe pour ensuite la cacher sous un boisseau, nous dit Jésus. Ça n'a pas de sens. Lorsque vous avez une lampe chez vous, vous ne l'allumez pas pour la cacher. Sinon, ça ne vaut pas la peine de l'allumer. Eh bien, aussi insensé que ce serait d'allumer une lampe et de la cacher, c'est insensé pour nous de cacher le message que nous avons, l'évangile que nous avons. La lampe est allumée de façon à ce qu'elle éclaire ceux qui sont dans la maison, qu'on puisse voir les objets qu'il y a dans la maison, les personnes qui sont dans la pièce avec nous. Et ici, donc, on a parlé au verset 14 d'une ville, et ici, on parle d'une lampe. Et on a dit tout à l'heure que la lumière d'une ville dans la nuit, par exemple, est composée de l'ensemble des lumières qui sont dans les maisons. Et ça parle du témoignage personnel, du témoignage individuel de chacun d'entre nous. Il y a une puissance dans notre témoignage, il y a une puissance dans ton témoignage. Jésus nous a sauvés pour être une lumière pour lui.
Il veut briller au travers de nous. Il veut toucher ceux qui sont autour de nous, qui sont dans les ténèbres, qui ne sont pas éclairés, qui ne connaissent pas le chemin qui mène vers Dieu. Et notre appel n'est pas de venir à l'église, mais notre appel est de partir d'ici pour briller dans le monde. Un chrétien pratiquant, ce n'est pas un chrétien qui vient à l'église. C'est quelqu'un qui a une relation avec Dieu. C'est quelqu'un qui vient se ressourcer au sein de sa famille spirituelle, mais qui chaque jour est en mission là où il est, dans le monde, avec les personnes qu'il côtoie. C'est là qu'il peut briller, c'est là qu'il peut faire la différence. Et nous devons sortir de cet endroit pour aller au contact de ceux qui sont dans l'obscurité, de ceux qui sont séparés de Dieu, de ceux qui ont besoin d'un sauveur, de ceux qui ont besoin de connaître l'amour de Dieu et de développer une relation nouvelle avec lui. C'est notre mandat. Jésus l'a dit à plusieurs reprises, dans Marc chapitre 15, il va dire « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Il va parler de la puissance du Saint-Esprit. Avant de retourner vers le Père, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est notre mandat, c'est notre responsabilité. Et Jésus va dire dans Matthieu 5:15, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Il n'a pas allumer notre vie par le feu du Saint-Esprit pour que notre vie soit cachée sous un boisseau. Le boisseau était un type de récipient qui était utilisé à l'époque pour mesurer condiments tels que des grains secs, etc. Soit pour mesurer aussi pour contenir des grains. Et tout comme il est absurde de cacher la lumière en la mettant sous un boisseau, il est absurde pour un disciple de Jésus de cacher sa foi en Jésus et de cacher son témoignage. Notre foi, tout comme la lumière, est destinée à être visible, à avoir un impact sur notre entourage, plutôt que d'être caché et tenu secret. Et parfois, on va cacher notre foi, notre témoignage, sous toutes sortes de boisseaux. Il y a par exemple le boisseau de la peur, comme Joseph d'Arimathée. La parole de Dieu nous dit dans Jean, chapitre 19, verset 38, « Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. » Vous connaissez Joseph d'Arimathée qui va faire un geste magnifique, il va demander à Pilate le corps de Jésus pour le mettre dans le tombeau, dans son tombeau à lui. Il donne une sépulture à Jésus pour quelques jours, 3 jours, suffit, puisque Jésus n'y est pas resté. Mais la parole de Dieu nous dit que lui qui était disciple de Jésus, par crainte. Et parfois, eh bien, la crainte est ce boisseau sous lequel on met notre foi. On a peur de témoigner. On a peur de faire savoir qu'on est enfant de Dieu, qu'on est chrétien, qu'on aime Jésus, qu'on marche avec lui. Il y a aussi le boisseau de l'apathie, le boisseau de l'indifférence. Lorsque nous ne prenons pas conscience que nous sommes dans un monde où ceux qui sont autour de nous sont perdus et qu'ils vont en enfer, il y a un enjeu. Il y a des hommes et des femmes qui se perdent sans Christ, sans connaître Christ. Et il y a un passage de la parole de Dieu qui nous montre un homme. Une histoire, donc Jésus va raconter une histoire pour illustrer une réalité spirituelle. Et il va parler d'un homme qui était riche, il avait tout ce dont il avait besoin pour vivre. Il était dans l'opulence, de beaux vêtements, une belle maison,
Et la parole de Dieu nous dit, Jésus nous dit qu'il avait à côté de chez lui un homme qui était pauvre, qui s'appelait Lazare, qui était malade, qui était couvert d'ulcères et les chiens venaient lécher ses ulcères. Et les deux sont morts et Jésus va dire que le pauvre a été transporté dans la présence d'Abraham et le riche, quant à lui, il est allé dans un lieu de tourment. Et il était réellement tourmenté dans ce lieu-là. Il demandait à Abraham de lui donner quelques gouttes d'eau. Et ensuite, il va demander à Abraham d'envoyer Lazare d'entre les morts vers ses frères, ses cinq frères. Il avait cinq frères qui étaient encore vivants. Et il demande à Abraham d'envoyer cet homme, Lazare, qu'il ressuscite d'entre les morts pour parler à ses frères, pour qu'ils changent de vie. Et la parole de Dieu nous montre que ce n'est pas possible. Mais ce que nous voyons ici, c'est qu'il y a un lieu de tourment. Et nous ne devons pas être indifférents du fait qu'il y a autour de nous des hommes et des femmes qui ont besoin, avant qu'il soit trop tard, avant qu'ils ne soient dans le lieu de tourment, qui ont besoin de se positionner pour Jésus, qui ont besoin de Jésus. Ne laissons pas l'indifférence cacher notre lumière. Il y a un autre type de boisseau par lequel on peut cacher notre lumière. Lorsqu'on lit le même passage qu'on vient de lire dans Matthieu 5, dans l'évangile de Luc, il y a une précision qui est apportée. Il y a deux choses qui sont données qui cachent la lumière. Dans Luc chapitre 8, verset 16, il est dit « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit. » Donc on a parlé du boisseau, ce vase, ce récipient avec lequel Jésus va dire qu'on ne peut pas cacher la lampe, la lumière avec. Et dans l'évangile de Luc, il parle d'un lit. Le boisseau avec lequel on mesurait les grains, dans lequel on contenait les grains secs, ça nous parle du travail. Et le lit, ça nous parle du repos, de la détente, des loisirs. Et il y a parfois ces choses-là qui viennent voler notre temps, et soit on est absorbé par le travail, et notre vie est tellement occupée qu'on n'a pas le temps de s'occuper des autres, de penser aux autres et d'être là pour briller pour Jésus. Ou bien on est tellement absorbé par les divertissements, par le repos, par la détente, par les choses agréables qu'on n'a pas le temps pour les autres. Ce que nous faisons de notre temps est important. Et Paul va dire dans l'Épître aux Éphésiens, qu'on ne doit pas vivre en dilettante. Nous devons mesurer le temps dans lequel nous sommes. Et nous devons prendre conscience que c'est le temps pour nous de nous lever. C'est le temps pour nous de briller. Ne laissons pas nos lampes s'éteindre. Si la lampe est sous le boisseau, il y a deux choses qui peuvent arriver. C'est que, comme il n'y a plus d'air, eh bien, la lampe ne peut pas continuer à se consumer, donc elle va s'étouffer, elle va s'éteindre, ou bien, tout simplement, il n'y a plus d'huile à un moment donné, et elle s'éteint. Et Dieu ne veut pas que nous soyons éteints. Dieu veut nous voir brillant pour lui. Pour quelle raison? Au verset 16, il est dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Donc le monde doit voir nos œuvres, il doit voir ce qui émane de notre vie. La raison pour laquelle nous devons briller, ce n'est pas pour que les gens voient ce que nous faisons, mais qu'au travers de ce que nous faisons, ils soient amenés à glorifier notre Père qui est dans les cieux.
Le but de la lumière dans notre vie, ce n'est pas de montrer à quel point nous sommes brillants, mais c'est de refléter à quel point le Père qui est dans les cieux est bon et miséricordieux. Quand un monde perdu voit la différence, voit la transformation que Dieu apporte dans les vies de ceux qui sont devenus ses enfants, Jésus est honoré, Jésus est glorifié. La lumière n'existe pas pour attirer l'attention sur elle-même. La lumière existe pour que l'on puisse voir ce qu'il y a autour de nous. Et le but de notre témoignage n'est pas de nous magnifier de ce que nous avons fait, de ce que nous sommes. Mais le but de notre témoignage, c'est de mettre en lumière la grandeur de Dieu. C'est de mettre en lumière la puissance de l'amour de Dieu qui s'est manifesté envers nous. C'est de mettre en lumière le fait que Dieu est un Dieu de miséricorde parce que nous étions perdus, nous étions pécheurs et il nous a arrachés de l'enfer. Alors, notre but n'est pas de faire en sorte que les gens, quand ils nous regardent, qu'ils fassent nos louanges en se disant « Oh, ce sont de bons chrétiens !» Mais le but, c'est qu'ils voient à quel point Dieu est grand, à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu est capable de transformer la vie de quelqu'un. Amen. Jésus parle ici de bonnes œuvres. De bonnes œuvres. Des œuvres motivées par l'amour. Il ne s'agit pas de faire des bonnes œuvres parce que c'est un devoir, parce que Dieu nous commande de faire des bonnes œuvres. Dans l'Épître aux Corinthiens, Paul va dire que on peut même donner notre vie en sacrifice, mourir, mais si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Donc ce que nous faisons doit être motivé par l'amour que nous avons pour Dieu et l'amour que nous avons pour notre prochain. Quel est le plus grand commandement ? Aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. En d'autres mots, des œuvres qui sont produites par Dieu au travers de nous. Le but, ce n'est pas d'être applaudi pour ce que nous faisons. Paul va dire, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce qui doit demeurer de notre témoignage, ce qui doit demeurer des œuvres que nous accomplissons, ce qui doit demeurer de notre façon de vivre, de notre façon d'agir, de notre façon de nous comporter, dans notre entourage, avec le cercle de connaissances que nous avons, c'est que les gens soient amenés à se tourner vers Jésus et à glorifier notre Père qui est dans les cieux. Alors j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Et qu'on puisse demander à Dieu ce soir de nous aider à discerner tout ce qui dans notre vie pourrait être un boisseau qui vient cacher la lumière. Tout ce qui pourrait nous empêcher de briller pour lui. Tout ce qui pourrait affecter notre témoignage. Peut-être que c'est dans mon langage, dans la façon dont je m'exprime. Ce n'est pas un témoignage par lequel Dieu est glorifié. La parole de Dieu nous dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole malsaine. Mais s'il y a lieu, des actions de grâce. Notre témoignage, ce que nous disons, ce que nous faisons est important. Prenons le temps chacun de réfléchir ce soir et de demander à Dieu sincèrement et profondément, là où vous êtes à votre place, tu connais ta vie, tu connais ton cœur, tu connais ce sur quoi le Saint-Esprit a peut-être mis le doigt ce soir. Le temps que tu donnes au travail, le temps que tu donnes à les activités de loisirs,
il y a peut-être des choses que l'on a besoin de réaligner. Et ce soir, laissons le Saint-Esprit œuvrer dans nos cœurs. Laissons le Saint-Esprit nous amener là dans les domaines de notre vie où sa lumière a été ternie. Ce que nous faisons a soit la puissance d'éclairer encore davantage, ou malheureusement au contraire, d'atténuer la lumière. La parole de Dieu nous parle des luminaires, lorsque Dieu a créé la terre, comme je le disais tout à l'heure, Dieu a commencé par la lumière. Et vous savez que, par exemple, la lune n'émet pas sa propre lumière. Elle reflète la lumière du soleil. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Nous n'émettons pas notre propre lumière, mais nous reflétons la lumière qui vient de lui. Et le seul moment où, en tout cas il y a un moment où la terre, quel que soit le fuseau horaire, se retrouve complètement dans les ténèbres. C'est lorsque la lune se met entre le soleil et la terre. On appelle ça une éclipse. Et malheureusement, parfois, par notre mauvais témoignage, c'est ce qui se passe. C'est comme si on cachait la lumière de Dieu. Au lieu de la refléter, on la cache. Et ce soir, Dieu veut que nous soyons le reflet de sa gloire, le reflet de son amour, le reflet de sa bonté, le reflet de la manifestation de son esprit par divers fruits tels que la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la tempérance, la maîtrise de soi. Seigneur, nous sommes là devant toi ce soir et nous te bénissons et nous te remercions pour ta bonté et ton amour envers nous. Et nous voulons, Seigneur, prendre conscience que tu as dit toi-même, Jésus, que nous sommes la lumière du monde. Et nous voulons ce soir, Seigneur, prier pour que nous puissions être ce peuple, cette église, cette famille spirituelle qui brille pour ta gloire, Seigneur, pour que le Père soit glorifié. Montre-nous, Seigneur, dans nos vies, les domaines de notre vie, les aspects de notre vie qui ont besoin d'être changés, qui ont besoin d'être transformés par toi. Montre-nous, Seigneur, les choses que nous devons abandonner parce que ces choses ternissent ta lumière dans nos vies. Montre-nous les choses, Seigneur, que nous devons faire
pour que ta lumière brille encore davantage dans notre vie. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Qu'elle soit abondante dans notre vie. Que ton esprit, Seigneur, soit ce feu qui constamment alimente et embrase nos cœurs, Seigneur, pour que nous soyons les témoins que tu veux que nous soyons. Nous prions ce soir et nous te demandons, Père, d'étendre ta main sur nous. Viens nous visiter ce soir. Viens nous visiter, Jésus. J'aimerais vous encourager, au-delà de cette célébration, au-delà de ce moment que nous passons ensemble, j'aimerais vous encourager, durant les jours qui vont venir, durant cette semaine qui arrive, j'aimerais vous encourager à vous simplement vous poser devant Dieu, à vous asseoir devant lui. Et à faire ce genre de prière en demandant, Seigneur, pourquoi est-ce que je ne brille pas comme tu voudrais que je brille? Quel est le boisseau qui cache la lumière que je suis censé être? Et je vous encourage à être à l'écoute du Saint-Esprit. Mais je vous encourage aussi à faire cette prière et à demander à Dieu comment vous pouvez briller davantage cette année pour lui. Là où vous êtes, dans le cercle d'influence que vous avez, avec les personnes que vous côtoyez, ou même les personnes que vous ne connaissez pas encore, mais que vous serez appelés à côtoyer, demandez à Dieu de vous éclairer. Demandez à Dieu quelles sont les bonnes œuvres qu'il a préparées. La parole de Dieu nous dit que Dieu a préparé pour nous de bonnes œuvres à l'avance. J'aimerais vous encourager chez vous, dans le secret de votre chambre, dans votre intimité, dans votre propre intimité avec Dieu, à vous tenir devant lui et à interroger le Seigneur sur ce que vous pouvez faire pour briller pour lui, sur ce que lui, il a préparé comme œuvre. Qu'est-ce que vous devriez faire cette année? Qu'est-ce que tu dois faire? Il y a peut-être quelque chose dans lequel Dieu veut que tu t'engages pour briller davantage pour lui. On va prendre un chant avant d'aller plus loin. Et alors qu'on est dans sa présence, laissons le Saint-Esprit continuer à œuvrer dans nos cœurs et à parler à nos cœurs ce soir. Oh,
Père, ce soir, nous voulons te dire merci. Merci pour ton peuple qui est là ce soir. Merci pour chacune de nos vies, Seigneur notre Dieu. Et nous voulons prier, Seigneur, ce soir, et te demander de venir, Seigneur, te manifester dans nos vies, dans nos cœurs, à chacun. Nous voulons, Seigneur, que notre lumière brille devant les hommes, afin, Seigneur, qu'ils voient l'œuvre que tu accomplis en nous et au travers de nous, Seigneur notre Dieu. Et surtout, Seigneur, que tu sois glorifié au travers, Seigneur, de notre vie. Nous prions pour cette famille que nous sommes. Nous prions, Seigneur, pour que nous soyons comme la ville, Seigneur, située sur la montagne, qui brille, Seigneur, au sein des ténèbres. Et nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur, au milieu de nous, et ce que tu vas faire au milieu de nous, et dans nos vies, et dans nos cœurs, et au travers de nous, Seigneur. Durant cette année, Seigneur, nous voulons, alors que nous sommes au tout début de cette année, Seigneur notre Dieu, nous voulons regarder vers l'avant. Nous voulons regarder vers le futur que tu as pour nous. Nous voulons regarder, Seigneur, vers ce que tu veux faire, Seigneur, dans cette île et dans les vies de ceux et celles, Seigneur, qui nous entourent, Seigneur notre Dieu. Alors ce soir, je veux bénir ton peuple, bénir ton Église. Et je prie, Seigneur, pour que chacun d'entre nous, nous puissions mettre de côté toute peur, toute crainte, toute honte, toute timidité, et que nous puissions nous lever, Seigneur, pour briller pour toi et pour marcher avec assurance devant toi. Afin, Seigneur, que nous puissions être ces porteurs de vie, ces porteurs de lumière, ces porteurs de joie, ces hommes et ces femmes qui donnent de la couleur, Seigneur, à ce monde qui a besoin, Seigneur, de ta lumière. Merci, Jésus. Merci pour l'œuvre que tu accomplis. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.